culture, c'est l'une des clés de notre projet de territoire avec Laurent et avec mes autres collègues maires. Nous avons décidé de faire de ce territoire Vallée Sud Grand Paris le territoire de la création au sein du Grand Paris. Le point central du projet, ça a été de créer un parvis et d'en faire un élément signal fédérateur. Donc en fait, ça nous a permis de prolonger le hall d'accueil vers l'extérieur qui offre aujourd'hui des assises, des espaces pour venir afficher la programmation et qui invite les usagers à venir découvrir cette programmation. On a créé deux rampes qui sont conçues comme la continuité de l'espace public finalement, qui invitent les gens à pénétrer dans l'équipement. Elles permettent également d'identifier très clairement depuis l'extérieur les deux fonctions de l'édifice avec une entrée pour le théâtre et une entrée pour le cinéma. Et ça permet aussi naturellement de gérer les flux de spectateurs et les files d'attente qui sont liées à ce type d'activité. Sur le bâtiment existant, on a eu une intervention plus minimaliste, en fait, qui consistait principalement à mettre en valeur le bâtiment existant. Notre intervention architecturale, ça a été de venir souligner ces baies verticales existantes. Et ensuite, ça a été plus un travail de rénovation. On a changé les pierres, nettoyé les façades, ravalé les façades sur la partie nord. Ça a été une nécessité de venir repenser un peu aussi le fonctionnement de ce hall, donc qui est pensé dans la continuité de l'aménagement des espaces extérieurs. Donc on est venu créer un guichet central, là où on avait à l'époque deux guichets qui s'opposaient, en fait, le guichet du théâtre et du cinéma. On espère que ça va plaire et que certaines personnes vont se rendre compte qu'ici, il y a un théâtre et un cinéma. Peut-être qu'ils ne le savaient pas avant.